the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, queen of the hill, a number one. Dalia Constantin, bonjour. Bonjour. Sylvain Matisse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ensemble sur un projet depuis quelques mois qui s'appelle Bon Baiser de Broadway, qui tourne dans tout le nord de la France. Pour une fois, on va prendre le train pour aller voir un spectacle de Broadway. Ouais. Qu'est-ce que raconte Bon Baiser de Broadway? Alors, Bon Baiser de Broadway, en fait, c'est l'histoire de deux Français qui vont à New York pour tenter leur chance sur les planches de Broadway. Mm-hmm. Voilà. Lily et Max. Lily et Max se connaissent depuis des années, ne font pas du tout de la danse ou du chant leur métier principal, mais voilà, on se côtoie avec cette passion commune dans des stages de chant, etc. Et on a vraiment ce rêve ancré en nous de Broadway. On se passe des soirées pizza, regarder des comédies musicales à la télé. Voilà, c'est une passion, ouais. C'est-à-dire que Lily, elle est assistante de direction, mais... Elle n'est pas secrétaire, elle est assistante de direction, c'est un point capital qui est abordé dans la pièce. Et... Il gagne un billet à la loterie. Ah oui. Carte verte, exactement. Etc. Ce qui provoque justement la green card. Exactement. Green card. Ce qui déjà augure une aventure plutôt chanceuse. Ah oui, ça commence bien. Ça commence après, bien. Le chemin va être semé d'embûches. Exactement. Bien sûr. Et donc, pour raconter cette histoire et pour raconter ce chemin, ils vont utiliser tous les standards de Broadway connus et imaginables pratiquement. Oui, voilà, il y a vraiment un melting pot de standards. Chanté en anglais. Chanté en anglais, absolument. Exactement. Le texte, en fait, le livret est en français, écrit donc par Alyssa Landry, et toutes les chansons sont en anglais. Exactement, avec Sébastien Fèvre, le metteur en scène de Bon Baiser de Broadway, pour répondre à la commande de la Clé des Champs qui nous produit et nous fait tourner dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était vraiment, sans que le terme soit galvaudé, une commande d'un jukebox musical, mais avec un véritable livret, une création originale, et dans lequel ils ont essayé de mettre le maximum de grands standards de Broadway, il y en a tellement. Oui. Mais voilà, on a essayé, par le biais de medley ou de titres chantés en entier, d'en mettre le maximum et des plus emblématiques. L'idée, c'est de présenter en fait une carte postale de la comédie musicale. Exactement. Anglo-saxonne. Et est-ce que vous savez comment ont été choisies les chansons? Je pense que c'est Sébastien et Alyssa qui se sont mis autour d'une table. En fait, je pense qu'ils se sont mis autour d'une table, ils ont déterminé tout ce qu'ils voulaient absolument entendre. Il devait y en avoir, j'imagine, 150 au début. Oui, voilà. C'est tellement dur de faire un choix. C'est ça. Je pense qu'après, il a fallu épurer, puis avoir aussi différents styles de chansons. Et puis, il fallait que ça rentre dans l'histoire. Et après, l'histoire a été créée et a permis, à mon avis, d'affiner, du coup, tous ces choix. Et pour garder un certain nombre encore, les medleys viennent... réunir quelques morceaux. Parce que surtout, le point extrêmement capital et positif de ce spectacle, c'est que comme des jukebox musicals tels que Mamma Mia ou We Will Rock You, par exemple, les chansons font véritablement avancer l'intrigue et vice-versa. Et là-dessus, Alyssa et Sébastien ont fait un travail vraiment extraordinaire parce qu'à chaque fois, vraiment, la scène introduit le medley ou le medley raconte et fait avancer l'histoire de Max et Lily. Donc c'est puisque la dramaturgie reste primordiale. Et dans Medley, on va avoir par exemple, à un moment donné, ils ont des soucis d'argent, ils luttent évidemment à New York, et donc on va avoir un medley autour de la thématique de l'argent, et donc vous pouvez avoir Money, vous pouvez avoir Cabaret, comme vous allez avoir Mamma Mia, comme vous allez avoir également... Who Wants to be a Millionaire de High Society, qui est moins connu, mais qui est plein de charme et d'élégance. Et If I Were a Rich Man. If I Were a Rich Man, Fiddler on the Roof. Okay. Oh, si j'étais riche. Ya bari 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 ya. All day long, I beady beady bum. If I were a wealthy man. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Money, money, money.
must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. La scène de l'audition, effectivement, on fait des petits extraits et le pianiste, donc Daniel Glay, qui est également notre directeur musical, dit « Next !» et nous coupe. Oui, c'est ça. Donc c'est assez très souvent, bon. Assez souvent. Et c'est pas frustrant, justement, de chanter que des extraits de certaines chansons ? Si, effectivement, ouais. Oui, on a envie d'aller au bout, mais... Mais ce qui nous permet véritablement d'être dans le jeu à ce moment-là. Oui, c'est vrai. C'est génial. Parce qu'effectivement, le « Next » provoque une petite frustration d'être coupé en pleine... Et une envie de faire mieux sur la suivante. Et alors justement, quelle sensation vous avez d'avoir la chance de chanter et danser autour de ces standards de la comédie musicale en un seul spectacle? Franchement, c'est génial. C'est exaltant. C'est un plaisir fou, ce spectacle, réellement. C'est pour ça qu'on est toujours vraiment heureux de se retrouver. Parce que c'est juste formidable de pouvoir faire différentes chansons, de pouvoir faire des claquettes à un moment donné, de danser sur tous ces airs. Les couleurs sont tellement différentes que c'est passionnant, franchement. C'est vrai que je pense que tout artiste de comédie musicale peut se retrouver vraiment avec bonheur dans ce type de spectacle. Comme tu dis, effectivement, chaque titre a une couleur différente, à la base aussi des pupitres, des tonalités, des tessitures différentes. Donc, dans un même spectacle, de chanter ces registres différents, passer de la pop à des choses qui seraient un peu plus rock, des choses un peu plus... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir, par exemple, où Roger et Hammerstein vont avoir un extrait de la Mélodie du Bonheur, où on peut trouver une couleur un peu plus legit, où on va vibrer un peu plus, on va s'orienter à la fin vers un petit côté lyrique, pas vraiment, mais ce que je veux dire légèrement, par opposition à la majorité du spectacle où ça va être des couleurs beaucoup plus comédie musicale pop, où on va chanter 9 to 5, par exemple, qui quand même est... plutôt pop, même si ça vient... Oui. 13 années 80. Ouais. Enfin, il y a vraiment des stylistiques et on ouvre le spectacle avec Smash, qui est un duo de la série Smash. Broadway, Here I Come. Et en plus, ça permet même parfois de chanter des chansons de filles, parce que, par exemple, Popular de Wicked. Exactement. C'est très, très drôle. Très, très drôle à jouer. Chanter Popular, effectivement, à ma tonalité, mais de Wicked et de jouer avec la mise en scène que Sébastien nous a proposée à ce moment-là, c'est assez jouissif. Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys. Little ways to flirt and flounce. I'll show you what shoes to wear. It affects your hair. Everything that really counts to be popular. Answer me, it's so easy to leave me all alone with my memory of my days in the sun. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they'll never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. Justement, dans toutes ces chansons, quel rôle vous aimeriez ou rêveriez-vous d'interpréter en entier? Ah, c'est l'honneur. Moi, j'aimerais bien interpréter Funny Girl, si l'occasion se présente. Don't Rain on My Parade. Don't Rain on My Parade, ou Funny Girl, la chanson, ou People. Enfin, et puis j'adore le personnage, quoi. C'est vrai que c'est un parcours passionnant. Après, ça serait merveilleux. Mais... Faudrait donner l'envie à certains producteurs oui, de monter Funny Girl à Paris. Voilà, pourquoi pas. Après, il y a tellement de spectacles qui sont magnifiques. Et vous, Sylvain? Moi, il y a un rôle que j'adore parce qu'il rassemble aussi toutes les choses que j'aime, en particulier la danse et les claquettes. Et mon rôle fétiche, je crois, serait Bert dans Mary Poppins. Ah oui. tout cet univers juste extraordinaire, son rapport. Je veux pas. Ça peut se faire. Je ne voudrais pas dire qu'il y a eu un projet pour lequel je suis arrivé en finale il y a peu de temps. Mais On ne sait pas de quoi mais bon, il s'agit. Mais c'est un joli rêve. En plus, c'est un projet qui a été simplement mis de côté, qui pourrait très bien revenir dans quelques années. On va dire ça. Donc, c'est pas impossible. Exactement. C'est bien que des rêves se réalisent. C'est vrai. Mais on en réalise déjà pas mais mal. Mais oui, honnêtement, c'est vraiment génial. Nous, on a cette chance. On adore faire ce spectacle, vraiment. Ouais. Justement, j'allais vous demander quel était votre plus grand kiff dans toutes les chansons que vous interprétez, celui où vraiment vous prenez le plus de plaisir, où vous dites « Ah putain, ça y est, là, je la chante, quoi. » Ah, d'accord, ouais. Bon, c'est vrai que « Don't Rain on My Parade », c'est quand même...
J'adore chanter ce morceau. Ce que je trouve intéressant à jouer, c'est le fait qu'à ce moment-là, donc, ses parents viennent de lui dire que c'est plus possible, qu'il faut qu'elle rentre à la maison. Et en fait, il y a une vraie lutte dans la chanson pour y arriver, de dire ne me gâchez pas mon bonheur et laissez-moi essayer, laissez-moi aller au bout de ce rêve et je ne laisserai pas les gens m'empêcher d'atteindre ses objectifs. En tout cas, je ferai tout ce que je pourrai pour les atteindre. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One ball for the whole set bang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wham. One shot, one gunshot and bam. J'ai aussi un morceau très amusant qui s'appelle Speaking French, où c'est un striptease, mais en tout bien tout honneur, bien sûr, dans ce qu'elle raconte dans la chanson, qui est très amusante. I love a French, everybody. Then you say ha, ha, ha. Then we say ooh la la. Then we go. J'ai quand même des frissons aussi sur la fin, quand on rentre au tout début du medley final qui tourne autour de New York, quand on commence sur pam 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 on Broadway, quand l'intro part, c'est vrai que j'ai des frissons d'entamer on Broadway. Je trouve que ça me touche. Qui a rarement été chanté d'ailleurs en duo homme-femme, donc c'est super intéressant. Say there's always magic in the air on Broadway. But when you walk in down the street and you ain't had enough to eat, the glitter wraps right off and you're nowhere. Moi j'avoue que c'est New York, New York de On The Town, chanson que je n'aurais jamais pensé chanter, qui en général est traitée plutôt sur un côté assez, assez pareil, lyricisant relativement dans la plupart des versions que j'ai pu connaître. Et là, de la chanter dans un contexte dans lequel je suis plein de nostalgie et seul en scène après le départ de Lily, c'est un peu Lonely, mélancolique. Donc plutôt, tu veux dire comment, Lonely Town Lonely Town, pardon, oui. Pardon, oui. Parce que New York, New York, c'est à la fin. Oui, tout à fait. Oui. C'est Lonely Town. Parce que bien sûr, je la commence en chantant New York, New York, City of Dreams. Mais voilà, c'est une chanson qui m'émeut particulièrement vu la couleur du jeu, du moment dans la pièce. Donc, ouais, c'est un joli moment aussi. Then it's a lonely town. You wander up and down. The crowds rush by. A million faces pass before your eyes. Still it's a lonely town. En ce moment, en parallèle, vous avez d'autres spectacles sur lesquels vous êtes. Donc Dahlia, il y a une certaine chanson qui vous suit depuis quelques mois. Oui, c'est une petite chanson. petite chanson qui s'appelle Crapoutou. Je veux faire des crapoutous. Absolument, des crapoutous. Des crapoutous partout. Partout. Des crapoutous partout, n'oublions pas. C'est donc dans Réponse et le prince aventurier. Donc on peut situer un petit peu votre personnage. Oui, donc c'est Réponse et le prince aventurier au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et en fait, à un moment donné, le prince, donc c'est pas la version du tout de Disney, c'est une version adaptée des contes. Nettement plus barré. Grimm, absolument, c'est nettement plus barré. Et à un moment donné, le prince va se retrouver avec son père qui veut absolument le marier. Et donc ce père, ce roi, lui présente trois femmes potentielles. Donc ça va être un casting de futures reines. Et elles sont chacune, si je puis me permettre, un pire que la précédente dans le côté loufoque. Et la dernière qui arrive, c'est donc la comtesse de Burke. C'est un personnage, le nom parle de lui-même, un personnage complètement excentrique qui tombe amoureuse. Donc elle tombe amoureuse de l'acolyte du prince. Et elle veut faire des crapoutous partout sur ce jeune Olaf. Voilà, donc elle est assez haute en couleur, si je puis dire. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà interviewé donc Julien et Ludovic Alexandre, les auteurs de Réponse, qui nous disaient que les crapoutous, ça peut être ce qu'on veut.
Absolument. C'est ça pas simplement des bisous. Des enfin, bisous, ça peut être des petits, de gratouilles, des papouilles. Des gratouilles. Oui, oui. Voilà, c'est tout ce qui est du champ lexical, je pense, de l'affectif. Et c'est mignon pour les enfants. Ouais. Tout ce qui est mignon, tout ce qui est tendre. En fait. Et c'est une des chansons qu'on a dans la tête pendant des semaines après avoir vu réponse. Oui. Et les on sait que parfois les enfants la chantent dans les toilettes à l'entracte. Voilà. On se dit, ah bah, l'objectif est atteint. Et nous devons protéger nos enfants. Nos femmes. La vie est belle, il faut l'aimer. Et plus que tout, la préserver. On n'en a qu'une, il faut pas. C'est autre chose, c'est un autre univers, c'est Andrew Lloyd Webber, oui. C'est Mogador, c'est Katz. Ouais. Donc comment on se transforme en chat ? Une heure et demie de préparation de maquillage qu'on fait nous-mêmes. Mm. Et donc pour rentrer dans le personnage, c'est vrai que c'est particulièrement... on s'investit vraiment dans ce maquillage qui nous aide vraiment à rentrer dans le personnage, mais c'est une heure et demie de... Ouais, une heure et demie de boulot. Et après, deux heures de danse, presque. Et deux heures de présence, ouais, sur le plateau. C'est ce qui est magnifique dans ce spectacle par rapport à l'investissement dans le show, déjà. Et puis du personnage qu'on ne peut pas lâcher, la physicalité du chat du début à la fin. On sort, moi personnellement, 3 minutes dans le premier acte, 3 minutes dans le deuxième. Donc on est tout le temps investi dans ce qui se passe sur scène. Et effectivement, c'est un show extrêmement exigeant, extrêmement fatigant. Le niveau vocal est... C'est vraiment du high level. Et on danse également, mais c'est un spectacle exaltant. À bientôt au Théâtre Mogador. Toi, oui. Présente-le nous un petit peu. Et ben nous, pour respecter les poèmes de T.S. Eliot qui sont à l'origine de ce spectacle, on a gardé le nom anglais qui est Skimble Shanks, relativement imprononçable. Je préfère que ce soit toi qui le dise. Ouais, hein, c'est dur à dire. J'ai 3 semaines de répétition pour ça. Skimble Shanks, le chat du chemin de fer. Voilà, c'est un personnage très intéressant, très dandy anglais, un peu pointilleux, un peu perfectionniste, comme ça, qui est juste un bonheur à jouer, légèrement cartoonesque par moments. Donc c'est génial. Et qui se présente lui aussi devant le vieux Deutéronome pour espérer être, exactement, l'élu. Espérer être l'élu et avoir sa nouvelle vie à la Jellicosphère, mais... Mais. Je crois que la place est déjà prise. Venez le voir. Venez le voir pour connaître l'élu. Voilà, c'est ça. Et alors, est-ce qu'on n'est pas trop fatigué après 4, chaque soir ? Si, vraiment, c'est un spectacle, je dirais moi, franchement, le plus exigeant de ma carrière. Mais... tellement exaltant à la fois le message et on peut pas ne pas s'investir dans ce spectacle sincèrement en tant que comédien, en tant qu'acteur, et le message est tellement universel qu'on en sort à la fois aussi comblé, et je réutilise encore ce mot, exalté, vraiment, comme j'espère que le public l'est, en tout cas chaque soir ça semble être le cas. Mais ouais, c'est un spectacle épuisant, c'est un challenge génial, mais voilà, faut tenir bon. Par rapport à nos deux actualités, on a réussi, et on réussit à se libérer pour Bon Baiser de Broadway en tournée dans le Nord. Et on va justement à la rencontre de publics par le biais de cette association La Clé des Champs, de publics qui à la base ne sont pas spécialement des publics qui ont l'habitude et l'occasion d'aller au théâtre, à l'opéra, etc. Donc ils ne sont pas spécialement conquis d'avance, et on est ravis parce que Bon Baiser, à chaque fois, c'est des standing ovations, c'est que des remarques extrêmement positives, c'est et souriantes à la sortie. C'est extrêmement positif. La mission de La Clé des Champs, c'est effectivement de penser l'art lyrique autrement. Donc ils vont avoir, dans ce sens-là, ils vont avoir différentes formes. Ça peut être l'opéra baroque contemporain ou tête musicale, par exemple, c'est notre cas. Et le but, en disant penser l'art lyrique autrement, c'est d'ouvrir son accès à donc, des personnes qui n'ont pas toujours l'occasion d'aller dans une maison d'opéra, en faisant le spectacle dans des contextes différents, pas forcément uniquement dans un théâtre municipal, dans des lieux différents. Ils ont pu faire des spectacles apparemment dans des tramways. Ouais. Mais cet été d'ailleurs, vous vous êtes baladé pas mal. Et nous, on a fait justement un bus. L'opéra bus. C'était une version d'une demi-heure du spectacle et on a fait 2 mètres sur 2 mètres, mais vraiment, on dansait quand même. C'était extraordinaire. Un bus de 30 places. Aménagé en théâtre, vraiment, avec des rideaux rouges, avec. Et on a fait ça pour beaucoup d'enfants aussi, oui, des scolaires. Et c'est formidable dans ce petit écrin de présenter ça. Ça a super fonctionné. Ouais, ça a vraiment bien fonctionné. Très proche. Et là, on avait le public vraiment collé à nous. Oui. C'était juste ça. Non, mais c'est vrai que c'est super. Expérience. C'est la variété des expériences qui est enrichissante dans ce métier. On a pu jouer en prison également.
Oui, pour les détenus de la prison de Lille, le Sequedin. Très belle expérience humaine également. Ouais. C'était super. Oui, ça c'était vraiment bien. Ouais. Bon, bah, tout ce qu'on espère, c'est que déjà, donc, la tournée continue hein, jusqu'au au moins jusqu'à juin 2016. Oui. Exactement. Et on espère que vous viendrez sur Paris quand même. Bah, on espère aussi. C'est notre souhait le plus cher. Oui. Donc il faut le redire. On va le redire. Voilà. On va le redire. Bien. Bon baiser de Broadway à Paris la saison prochaine. C'est ça, absolument. Ça, on croise les doigts. Bon, bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Et puis merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. These are little town ballers. These little town blues.